De retour sur le No Damage Challenge. La dernière fois, nous avions évolué Evoli en Givrali. Et ça, c'est super important pour passer cette route. On avait pas mal monté de niveau. Ah oui, on s'était dit, on va bien monter de niveau pour être prêt pour la prochaine fois. Cela dit, il faut que je me ressorte quand même les Pokémon des adversaires sur cette route. Et je crois que le premier dresseur est problématique. Oui, le premier dresseur a 3 Blizzy. Et on va devoir spam Blizzard, je pense, pour tuer. On va. Alors, ça va être déjà chiant parce qu'on risque de reset parce qu'ils ont éclat glace. Les Blizzy. Donc s'ils décident de faire avec la glace, c'est le reset, hein, bien sûr. Bah écoutez, on va commencer par ça, hein. On va commencer par ça, lui il est obligatoire et il n'y a que 2 ou 3 dresseurs obligatoires sur la route. Même pour récupérer la CT escalade, il n'y a pas besoin d'affronter un dresseur. Excusez-moi. Ah, ils sont pas du tout dans l'ordre. Très bien. Je peux pas switch, hein, évidemment. Bah, je suis mort, il est plus rapide. Hein. C'est un début assez rude, hein. Assez rude. Comment je fais pour passer Electek niveau 40? Mais faut que je gagne combien de points là pour le dépasser? Mais non. Ça va pas recommencer. Il a cage éclair, mais si je me fais paralyser derrière le Magmar. Oh, et Magmar, comment je le passe? Je switch. Et vu que je tue au dernier tour, du coup, je prends pas les dégâts. Vive griffe. Putain, non, c'est pas vrai. Rêve de neige, j'ai pas le choix. Hein. Vibraquo, est-ce que j'ai déjà utilisé la CT? Il me semble que non. Mais en fait, j'ai rien que je veux enlever sur mon Givrali, c'est ça le problème. J'ai une écaille cœur, je pourrais remettre avec la glace. Mais Vibraquo, on va pas le tuer, le. Attends, quoi? Je l'ai utilisé, Vibraquo? Oui, le Electek, il faut le tuer en un coup, il y a pas le choix. Hein. À moins qu'il n'attaque pas pour une raison ou pour une autre au deuxième tour. Non, le Scarf, j'ai pas accès. On va prier pour éviter avec Ridonnage. Hein. Ça peut prendre 20 resets comme ça peut en prendre un seul. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Hein. J'aime pas du tout, mais. Faudrait que je monte tellement mon Givrali pour dépasser le Electek. Ce serait indécent. Hein. Oh mon dieu, ça va être trop chiant. J'ai 25% de chance d'esquiver. 25% de chance, c'est une chance sur 4. Ça c'est pas grave, pas se faire un parax par contre. Après on peut toujours éviter au tour d'après, hein, si on se fait parax ce tour-ci. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Let's go. Let's go. Let's go. Il a pris un tour de grêle en plus du coup. Let's go. Let's go. Mon dieu, quelle infamie. Et là, on change pour Etouraptor. Il fallait que ce soit cette situation. Et on tue avec Close Combat. Magmar a une bonne défense spéciale, mais pas une bonne défense. Ok, c'est passé. Du coup, alors c'est pas ça, c'est escalade, c'est plus loin. Tesson bleu, ça peut servir, éventuellement. Il y a de bons objets cachés dans cette zone. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de prendre le temps pour ça? Enfin, il faudrait que je sache à l'avance. S'il y a un objet pressé qui m'intéresse, alors pourquoi pas, sinon je vais pas tout faire. Ah, je peux pas aller esquiver elle. Et j'ai utilisé la CT Balombre sur Motisma. Tiens, il y a quelques ridonnages en plus, oh mon dieu, putain. Ah mais U-turn, mais le problème c'est Poisson Roi, on va jamais le tuer. PC plante. Ok, alors là le plan pour ce combat, il est incroyable. Vraiment. Oh le plan de jeu. Et PC plante qui va être utile. Elle a 3 Pokémon. Ouais, c'est elle. Ah oui, ça va calquer intimidation, mais Osef, avec le niveau d'écart et le bulk ridicule de Kirelia, surtout sur le physique, demi-tour va l'éclater. Et vous voyez, comme quoi j'ai bien fait de laisser la plaque insecte. Hein. Hop, demi-tour. Voilà, j'avais même pas pensé au fait que ça allait être utile sur cette route-là, demi-tour. Oh, quel délice. Attends, on a fait le KO là? J'ai pas. Ça c'est pas. On l'a pas vu encore. Oui, le switch se fait avant, oui, c'est vrai. Ah là, let's go. Bon, du coup, qu'il est calque ou pas, on s'en fout. Hein. Ah, ça veut envoyer la Poreille là. D'accord, donc on va changer, on va envoyer Motisma qui va tuer. Mais non! Que je suis bête! Je peux rattraper ma connerie. Excusez-moi. Mais non, mais je pensais qu'elle enverrait Poisson Roi en deuxième. Et du coup, j'ai pas tilté. Non, alors on peut toujours esquiver avec Cri de Neige. Oui! Mais genre! Mais c'est quoi ça? Il est plus lent que tous les Pokémon du monde. Ah, mais je suis bête! Je vais envoyer Givrali, ensuite il va me demander si je veux changer. Mais non. Bien sûr, je peux faire ça. Mais oui. C'est tellement pas habituel. Le switch offert à chaque Pokémon, c'est tellement pas normal pour moi. Voilà, la grêle continue. Évidemment, je prends pas de dégâts parce que moi j'ai Rality Glass. J'envoie Etouraptor. Je pense que demi-tour dégomme le Laporeille. Oui, non, Laporeille c'est le petit Lockpin, c'est le grand. J'ai du mal avec les noms français. Let's go, il fait pas, il va tank. Let's go. T'es fragile as fuck. Bien sûr. Mais putain, mais la solution, c'est ça. Mais c'est trop bien. C'est trop bien comme solution. C'est trop malin que ce lynx. Et Poisson Roi, on envoie Motisma. Voilà. Mais oui, évidemment. Quel soulagement. Alors, ça se trouve, PC plante avec lunettes choix, ça suffisait. Hein.
Tiens, on va faire le calcul. Ah ouais, il y a que si je suis à 70 de puissance que j'étais sûr de faire le KO sur ce poisson roi. Donc mes probas de faire le KO étaient quand même très très faibles hein, quand même, je pense. Non, on le combat pas quand même. Non, on le combat pas. Non, il va chercher la Team Galaxy. Ah mais attends, mais c'est pas ça ressemble pas à ça dans Diamant Pearl, si ? Il faut faire Escalade dans Diamant Pearl pour y accéder ? Je crois pas. Hein. Au final, j'y vais, il sert juste pour éviter la grêle. Ben, il y a besoin d'un poké pour ça, nécessairement. Au final, les Blizzy Blizzard, tu one shot avec demi-tour. Oh Blizzard, wow, ça me semble compliqué quand même. Hein. J'ai pas autant d'espoir. Hein. Alors Givrali, il lui faut absolument le multi-exp. Et on va mettre Motissement en lead. Ah mais il a pas Blizzard le Blizzard Roi. Ah oh. Alors sauvegarde ici. Oh 30 heures de jeu tout pile. Après avec l'accélérateur c'est un peu fucked up. Hein. Alors là pour nettoyer il faut faire des grosses des petites glissades comme ça. Voilà hop. Alors il y a un moyen il me semble hein, de n'affronter personne. Mais là je vais essayer de clean un maximum de choses. Ah mais c'est pas les mêmes. Ils sont pas dans le même sens les dresseurs que dans Diamant Perle. Enfin dans le même sens. Ils sont pas disposés de la même manière. Hein. Dans le même sens ça veut rien dire. No damage est faisable sur quel jeu la question c'est plutôt il est pas faisable sur quel jeu genre. Sur quel jeu il est impossible? J'avoue, je saurais pas dire où est-ce que c'est impossible. Il me manque celui-là. En vrai, on a tellement intérêt à combattre un maximum de monde. Juste, pas les farfurés. Bah non, ils ont même pas bluff. Ah, ils ont Ice Shard. Non, il y a une dresseuse qui a Ice Shard sur son farfuré level 40 et quick attack. Ceux qui sont niveau 43, mais on est l'un ni l'autre. Aha! Du coup, j'ai envie de combattre avec les Tauraptors en fait. Hein. Ah non, là, on veut se gaver, clairement. Hop, Givrali pour la grêle. Voilà. Et en plus. Remarque, non, il y a que les Tauraptors qui. Ah si, Givrali pour l'XP là. Pourquoi tout à l'heure on a pas pris l'XP sur U-turn? J'ai pas compris. Mais ouais, du coup, sur U-turn, ça considère pas comme. Ça considère pas Givrali comme ayant participé au combat. Tonnerre, hein. C'est ce qu'on a de mieux. Sur tu le level 42, alors je suis serein. Et Givrali passe niveau 42 lui-même. Plus 2 en vitesse, plus 3 attaques spéciales. C'est important de gagner d'attaque spéciale parce qu'on va devoir faire des gros blizzards, les plus gros possibles. Ah oui, merde, les close combats. Ah, 3 pokés en plus. Qui commence par farfurer. Ah, il y a vive attaque là. Il aurait fallu commencer avec Autisma, celui-là. Je savais pas qui est qui maintenant. Non, please. Ah, il a Ice Shard, j'avais même pas tiqué, il a Ice Shard. Ah oui, il a les deux. Bah sinon on n'affronte pas les deux derniers dresseurs, parce qu'ils ont des Pokémon chiants. Ok, Motisma n'a pas besoin de lunettes, choix. Givrali en a besoin, mais ça peut être un. L'ordre dans lequel avoir envoyé ses Poké peut être gênant. Pour ça, Ridonnage aussi. Ouais, mais j'ai pas de bonne solution à ça. Aéropiqué fait pas assez de dégâts pour me dire que c'est une bonne solution. Vérifie la vitesse. Oh, on est en speed tie. Faut que je gagne un niveau avec Motisma. Ok, c'est rigolo. Il me faut un niveau sur Motisma pour le dépasser. Parce que là, il est tout pile à 108 le Frostlass. Et le Blizzard Roi niveau 42. Il y a moyen qu'il dépasse mon Givrali, sachant que j'ai des IV de merde en vitesse. Ah ouais, j'ai super bon, c'est vrai. J'avoue, on gagne du temps. Du coup, ouais, go utile super bon maintenant. Voilà. Donc, la question c'est juste en lead. Et tout Raptor pour faire demi-tour? Bah, en fait, sa seule priorité elle est Team Glace, donc Motisma aide pas pour ça. Donc, autant lead et tout Raptor en attendant qu'il fasse pas avec la glace. Après, j'ai un rôle où je le tue avec Rotom. Bah, non, du coup, il faut prendre les tout Raptor. Bon, de toute façon, j'ai dit, il va falloir essayer une fois pour voir comment on se débrouille. Et la plaque Volt arrive à Mar. Ouais, mais justement, ça fait partie du challenge que certains objets soient disponibles qu'à partir d'un certain moment. Sauf que c'est une chose cool. Ah merde, il faut refaire ça. Y'a pas un encens électrique? Non, y a rien pour ce type-là. Oups. En fait, tant qu'on le passe lui, c'est bon. C'est embêtant. Non, mais je savais très bien qu'il fallait pas que j'affronte celle-là. J'ai juste gardé la flèche du bas et enfoncé trop longtemps. C'est tout. C'est le seul petit hic. Comment t'as fait au début pour pas prendre de dégâts? Eh bien, il y a les épisodes sur YouTube. Il y a la playlist, évidemment, que vous pouvez checker si vous avez pas tout vu. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai tel Pokémon, comment j'ai fait pour passer tel ou tel endroit, profitez de la playlist, voyons. En plus, mes vidéos sont bien triées dans les playlists. Il y a beaucoup de playlists parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur ma chaîne. Il y a plus de 2000 vidéos. Mais, bah, ça fait bien de dire ça. Il y a plus de 2000 vidéos sur ma chaîne. Alors profitez-en, bien sûr, si vous voulez tout refaire, toute une série. Ok, c'est parti. Premier essai. Tu veux me défier? Enfin, je veux. Bah, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix, quoi. Le plan est précis. Oh, first try, je kifferais. Après, ouais, je suis dépendant de quelques petites choses quand même. Hein. Oh, il manque tellement pas grand chose pour monter niveau et tout Raptor. J'aurais dû faire l'effort. Non! Ah, putain, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse tout le temps. Ah, puis c'est chiant, en plus, je peux même pas expérimenter, du coup, savoir ce qu'elle envoie en premier. Alors, je vais faire une tentative avec les lunettes choix sur Motisma. Voilà, on va l'essayer une fois comme ça, avec Motisma en lead. Ça se trouve, comme ça, ça suffit. Hein. Si elle les envoie dans l'ordre, alors, comme ça, je gagne. Hein. Bah, il peut quand même faire avec la glace, le farfurer, c'est possible. Mais bon, enfin, je sais pas, elle pourrait faire feinte sur Motisma. Ok, c'était mieux de faire tonnerre. Hein. Voilà, puni. Je l'ai dit, c'est mieux de faire tonnerre, je l'ai dit. Je l'ai dit. Pourquoi j'ai fait ça? Ça tape moins fort, PC Feu! Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour te rapprocher des 100 que tu as fait ça. Ouais, je vais faire exprès de terminer à 99, ouais. La nature des champions est aléatoire. Pour tous les dresseurs, ils ont nature neutre et IV à 15 partout. Ok. Donc, à moins d'avoir une puissance cachée feu très puissante, mais non, si c'était le cas, on aurait fait le KO en un coup. Juste avant. Bien sûr, contre avec tonnerre, évidemment. Là, sur le reset d'avant, il est complètement débile de ma part. Hein. Ah, Momartic maintenant!
Ah merde, bah on a bien fait de tester hein. Tonnerre de Motisma lunette choix. Il est niveau 44 quand même, j'y crois pas trop hein. Tant qu'on touche c'est pas grave. KO ou crit, paralysie. Y'a plein de choses qui me vont hein. Feu cri de neige. Et donc je fais dépasser là. Mais donc je fais dépasser par contre. Ah. Putain, allez, explo force. Comme ça il y a beaucoup de chances de louper. Ah, c'est pas vrai. Donc elle envoie Momartic face à Motisma. C'est intéressant ça. On a fait un vrai test. Ok. Pourquoi pas close combat? Parce que la grêle. Ça fait depuis le début du challenge qu'on parle que de la grêle. Bon, on n'a pas tué le Abomasno avec U-turn malgré la plaque insecte. C'est relou ça. On a le multi-ex sur personne. Sur qui est-ce qu'on peut faire de l'XP? Ou ça surtout? Enfin, sur qui? Sur Staraptor. Non, le truc qui m'inquiète le plus, c'est la vitesse du Momartic. Là, j'ai mal compté tout à l'heure. Bah, 108? C'est quoi cette blague? Mais comment elle a pu me dépasser? Mais, attends, sans blague! Mais d'où il me dépasse? Il a 108! Il a 108! D'où il m'a dépassé? Elle a Citrus sur son Momartic. C'est son Poké Signature, elle a 10 IV max. Bah, je vois que ça. Je vois que ça comme raison. Si elle a 31, alors il a 115 de vitesse. Et j'ai claqué un super bon. Qui a besoin de monter? Et tout Raptor? On va monter tout le monde, hein. Tant qu'à faire. Hein. Ok! On a 130 d'attaque spéciale. Il y a un roll où on tue pas Farfuré. Et on dépasse Momartic. Tiens, tant qu'à faire, on va monter Giroli niveau 45, histoire de, quitte à être là. Du coup, on avait dit pour les items. On avait dit, donc pas besoin des lunettes choix sur Rotom. Plaque fantôme. Quoique non, on a plus de mal à tuer Sneasel que. Ah, mais j'ai pas les bancs, de toute façon. Donc oui, la question se pose pas. Donc oui, tant qu'à faire, plaque fantôme. Les lunettes sages, on peut pas les récupérer. Et je pense que j'ai déjà cherché. Ah, ça que les tessons point glace. Ok. Ah, donc c'était pas nul. Hein. Puis après, je suis glace, c'est pas super précis. Et lunettes choix, Givrali, j'avais dit. Ok. Et plaque insecte, on garde bien sûr. Hein. Le Nodama Challenge possible également sur Hard Gold Soul Silver. Bon, si tu veux juste battre la ligue, ouais, je pense que oui. Tu vas aller jusqu'à Red. C'est compliqué. Nouvel essai. Faux. Pas qu'elle fasse éclat glace. Ça, je pense que c'est validé. Si elle pouvait ne pas envoyer Momartic, ça m'arrangerait. Faut bien qu'on ait le chaos sur le Farfuré. Il y a un rôle où on tue pas. Pareil pour Blizzard avec demi-tour. Là, maintenant, les chances sont largement de mon côté. Mais on n'est pas allé au bout du combat tout à l'heure. Donc, il y a peut-être encore des choses où je suis pas trop sûr de moi. Déjà, pas de éclat glace. Ça, c'est une bonne chose. Tout à l'heure on a tué, mais elle a 31 sur tous les Pokémon. Parce que ça c'est pas, si c'était un minerol, j'aurais fait plus que ça. Hein. Elle a 31 sur tous ses Pokés, c'est pas vrai, la blague. Ah tout à l'heure j'avais les lunettes choix, c'est vrai. Mais ouais, mais peu importe, il y avait un seul rôle où je tuais pas. Je devais le laisser à un pixel dans le pire des cas. Et je peux pas mettre les lunettes choix parce qu'il y a Momartic qui arrive derrière. Il a exactement 100 points de vie. Mon minerol est à 99. Il était pas à un pixel le Farfuré. Le Chris était sur Momartic, oui. Non, je ne peux pas remettre les lunettes choix parce qu'avoir envoyé Momartic et je suis coincé dans ce cas-là. L'aimant me donne le chaos. J'ai pas besoin de la plaque fantôme. Non, pas farm. L'aimant c'est plus intelligent que farm. Plaque Explora Kit. Non, Explora Kit, je déteste cette feature, donc je ne veux pas l'utiliser. Oh, Koichi. Tiens donc. Non, ça. J'ai Cerebi sous les yeux. Ah non, c'est carrément un... Ah, mais c'est... D'accord, j'ai compris. Ils sont à ce niveau-là. Ah non, merde, j'ai gagné sur Diamant Perle. Bah, j'ai peut-être intérêt à le faire en duo. Enfin, en multi. Ok, pas de coup bas. Il faut pas qu'il vise maintenant que Charmina, mais... Il a pivoltage, il va vouloir le faire sur l'occasion, j'imagine. Let's go. Ok, on est obligé d'aller au bout pour terminer... Enfin, pour sortir, ou il faut aller à la sortie et pas à l'entrée. Donc ils ont vraiment changé l'emplacement des items. Ouais. Allez on se taille. Maintenant que j'ai l'aimant, tout va changer. On va y arriver. Vous vous rendez compte que j'ai le première fois que j'ai fait, enfin que j'ai essayé le combat contre Gladys, c'était il y a une heure. Hein. L'aimant ça multiplie par 1,2 les dégâts de mes attaques électriques. Donc ça va me donner le chaos sur le Farfuré là où je l'avais pas avant. Ok, on est de retour après 1 million de resets. Cette fois-ci, ça se passera pas de la même manière. On est plus rapide. On le dégomme. Bien sûr qu'on le dégomme avec les mains. Momartic, on reste. C'est la recette, hein. C'est la recette. Du coup, il n'y aura pas de rideau neige. On est plus rapide. Balle ombre. Bien sûr qu'on tue. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème non plus. Bien sûr qu'on tue. Oh, le positionnement. Le positionnement de Givrali. Pour pas prendre la grêle. J'aurais même pu jouer lunettes choix sur Givrali pour faire PC plante limite. Je pense que
que c'est le meilleur plan jeu qu'il ait fallu faire depuis le début du jeu. Franchement, c'est le meilleur. U-turn sur Givrali pour pas prendre les dégâts de la grêle. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Plus l'aimant qu'il a fallu aller chercher, genre il a fallu visiter les îles de fer, l'île de fer juste pour ça. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura 31 IV sur tous les Pokémon du Conseil des 4 aussi, j'imagine. Hein. Ah, let's go, let's go. Et en plus, maintenant, on peut faire escalade, on peut aller chercher plein d'items intéressants. Bon, avalanche, on s'en servira pas, évidemment. Oh, let's go. C'est pas aggro par le rival, là? Ok. Et là, faut aller au lac, le troisième. Ah, y'a pas de combat? Ah non, les combats, c'est au... pas au lac exactement, c'est dans le... Non? Même au rive, y'a pas de combat? The fuck? Tant qu'à faire, autant mettre. Quand est-ce qu'on aura besoin de Musteflo? Pas avant un moment, hein. Torterra, c'est pareil. Je sais pas trop quoi en faire. On tourne déjà avec ces trois-là, hein. Il va me le falloir dans l'équipe pour monter de niveau. Pour le monter de niveau avec le multi-exp. C'est lui qui a le plus besoin d'XP, là. On va en avoir besoin avant la ligue. J'y vais aller, du coup, on va aller laisser les lunettes choix. Putain, 145 d'attaque spéciale! Au niveau 45, quand on regarde l'attaque des Terraptors, on voit bien que Givrali, bah lui-même, il a pas la Turpus pourtant, hein. C'est pour vous dire, hein. Il sera à 159 sinon. Un Stremont. Est-ce que dans Platine, il gagne alors que dans Diamant Perle, il perd? Non, non. Still a loser. Faut retourner à Voilarok. On est d'accord que là, faut que j'aille à Voilarok. Hein. Let's go. En fait, on n'a pas beaucoup avancé. Enfin, on n'a pas beaucoup avancé. On a quand même fait la fameuse route au YGL et l'arène. C'est beaucoup, non? Je suis presque tenté de m'arrêter là pour aujourd'hui, quoi. Ok, avec le stockage, il est pas au courant. Et là, faut retourner à l'entrepôt, c'est ça, hein? Il me semble. Ah, géant ma potion avec les stockages. Très bien. Oh, l'aimant. L'aimant sur Motisma. Je sais pas si vous imaginez. Ok, donc dans cette partie-là, il y a que eux à affronter. Après, c'est vraiment dans le bâtiment et pas dans l'entrepôt. Ah, mais là, je suis dans le building, du coup. Ah, mais voilà. Donc là, il y a un brouille. Je pense qu'il est raisonnable de s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je préfère étudier la suite avant le prochain live sur Platine plutôt que me jeter les yeux fermés. Donc on se regarde là, on s'arrête ici. Ah, on a bien avancé aujourd'hui, hein, la roue 217. Ah, comment tu vas faire pour la grêle? Givrali, bon ça de toute façon vous l'aviez vu dans le dernier épisode. Mais l'arène c'était encore une autre paire de manches. Si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu évidemment. Et n'hésitez pas à checker les autres épisodes si vous les avez pas vus dans la playlist défi Pokémon en haut à droite avec le petit i. Moi je vous dis rendez-vous très bientôt sur YouTube ou quand vous voulez sur Twitch, je suis en live. Tous les jours, le lien de ma chaîne est dans la description. Pouce bleu, on s'abonne, blablabla. Salut tout le monde.